Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci à Pile Pascoal avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le sens. Son plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Matin en plein feu sous état généraux sectoriel de mars à jeudi. On va regarder qui ça qui fait en termes de mise en place pour que tout secteur y est touché et joigne très certainement résultat escompté. Qui côté où y est, qui sa méthodologie a y est, mais qui niveau est avancé. C'est entre autres points. On va regarder avec le secrétaire exécutif état généraux sectoriel. Monsieur Louis Nopierre, qui a accepté de répondre à une question télévision nationale d'Haïti matin. Monsieur Louis Nopierre, son plaisir. Vous recevoir sur TNH aujourd'hui. Bonjour Serge Gignot, bonjour tout auditeur, auditrice télévision nationale. Donc c'est un plaisir pour moi pour m'avec vous au matin pour nous parler d'état généraux, notamment état d'avancement processus là. Merci. Parfait. Là, nous depuis mars, nous avons une ampliation, nous, comité pilotage, secrétariat technique. Pour l'intérivé, qui ça premier action déposée, qui ça a été? Et alors, pour commencer par le commencement, c'est-à-dire que l'objectif état généraux, c'est réaliser un pacte de gouvernabilité pour aller rapide. Et donc, il y a tout un processus pour mettre en place, pour y faire en sorte que la population participe dans ce pacte-là. Donc, entre avril à nos jours, nous gagnons deux types de rencontres préparatoires que nous organisons. Le premier type de rencontre-là, nous prenons une approche par secteur, c'est-à-dire que l'on prend un secteur économique ou ensemble d'organisations et de mouvements qui n'ont pas. Ou bien secteur privé, ou bien des organisations de pêche, des organisations de femmes et qui n'ont pas production ou qui n'ont commerce. Alors, avant que l'on regarde l'intérêt privé, comité technique, fait comité pilotage, la vision qui est la technique-là, si ça nous fait nous-mêmes entre nous, nous ne pas mettre. Peut-être comité A pour nous élaborer, vivre dans l'action concrète. Ok. Bon, avant que nous soyons en place, c'est-à-dire que nous avons un comité ad hoc qui a temps et réfléchi sur un document d'orientation. Et c'est sous base document d'orientation ça que les membres du comité technique, le secrétariat technique, et membres du comité pilotage ont bail engagement. Donc, nous avons un document qui sous-site état généraux, c'est egsn.ht, donc qui est marqué, c'est document d'orientation méthodologique. Et la donne est gagné toute démarche qui était gagnant et esquissée. Et après nous-mêmes, nous avons fait tout simplement une programmation et date des activités. Et premièrement. Et deuxièmement, et donc c'est comité pilotage là, comité secrétariat technique là, puisque l'orientation était définie et avant, et donc il y a même une démarche d'appropriation, de réappropriation qui était supposée faite. Nous faisons des rencontres, des discussions, et sous base ça, on a des consensus qui établis. Et c'est sous base ça tout, une programmation qui est faite. Que le comité pilotage là, le secrétariat technique dans élaboré, le comité pilotage là, c'est validé. Et c'est à partir de programmation ça que nous avons fonctionné depuis 4 mai, parce que la première rencontre avec le secteur, c'était 4 mai que nous avons fait avec le président de la presse. Et jusqu'à présent, le dernier forum que nous avons, c'est avec, nous avons 3 forums, Nord-Ouest, Nord-Est et Nord. Et puis, demain, on a rencontré la commission secteur santé. Donc, c'est comme ça qu'on n'a pas avancé depuis nous mettons en place. Maintenant, c'est nous sommes dans le, on dit, chaque point dans le secteur pario, nous n'avons pas l'habitude de travailler ensemble, en pile dans nous d'ailleurs. Qui ça qui était, que nous mettons d'accord sur lui pour pas dans le niveau pas nous, il y a un problème pour que nous avancions et à rencontrer le secteur où se dit là et M. Louis Nopierre. Donc, en fait, et alors moi-même comme secrétaire exécutif, c'est-à-dire que nous connaissons les milieux haïtiens depuis 3 haïtiens ensemble, toujours un problème. Mais moi-même tiens à ce que nous entendons son minimum. Le minimum, c'est une programmation. Et c'est une programmation. Et puis le minimum, c'est l'acceptation que chaque monde qui est responsable, parce que en fait, programmation, nous n'avons pas quatre secteurs. Et de côté dit dans le commencement, chaque monde soutient dans le secteur. C'est-à-dire que l'on a rencontré le secteur éducation, en dans le comité de pilotage là, c'est monde qui
en dans secteur qui établit liste organisation yo qui compte nous alors bien évidemment secrétariat technique envoie lettre là mais c'est membre comité yo qui contacte moun yo qui fait suivi avec yo par téléphone et qui en les rencontre la fête tout qui font son fonctionnement comme ça dire que chaque monde qui soutient dans secteur les censé et bon rôle de coordination et rencontre avec secteur c'est comme ça que nous fonctionner j'ai envie comprendre tout comité pilotage à secrétariat technique là est-ce que sous même longueur d'onde mais il y a une qui gagne regard sur l'autre il y a un qui peut superviser travail l'autre pour de travailler ensemble bon en principe mais comment dire en principe on gagne un comité pilotage qui gagne plus yon fonction de que yon conseil d'administration capable gain un rôle de supervision etc. donc li valider seulement par exemple le document d'orientation et aussi méthodologique yo qu'elle fait tout au début donc en principe si ça fonctionnait normalement le comité pilotage était qu'à réunir tout simplement une fois par mois et pour suivre recevoir rapport de ce qu'a fait et avec un regard externe et qu'il pas intervenu dans l'opération ça qui bal on recule pour le capable gain des analyses beaucoup plus et peut-être plus distant et plus avec beaucoup plus de d'objectivité et donc c'est comme ça en principe il fonctionnait mais dans la pratique c'est que chaque monde dans le comité pilotage là sont personnes ressources que lié tout c'est-à-dire que et on gagne là-dedans des monde qui soutient dans société civile qui gagne tout un réseau de société civile on gagne monde qui soutient dans éducation qui gagne tout un réseau d'éducation on gagne monde qui soutient dans qui est ancien prêtre ou qui toujours gagne activité et avec l'église catholique avec l'église protestante avec le secteur vaudou donc c'est des personnes ressources c'est-à-dire que l'on pral et rencontrer secteur ça yo moun ça directement impliqué mais au fond mais peut-être que on a une confusion mais il est pas plus impliqué en tant que membre comité de pilotage qui là comme superviseur il là comme personne ressource qui connaît le secteur et qui aider secrétariat technique là organiser rencontrer secteur Maintenant est-ce que vous dites à l'heure un document d'orientation qui est élaboré bien avant et nous t'étions d'accord bien avant de commencer le travail est-ce que ça va te faire problème par rapport avec les comités pilotage là les mouni arrivés me dire non mais il y a des objections il y a pas côté mérité là ou bien qui pas doué là non pas de problème ça non en fait c'est documents sont documents toi comme des problématiques document il pas rentré dans fond il pas rentré dans bagage il tout simplement et fait un ensemble de constats qui justifiait l'état général. Le constat, c'est que, bon, que nous tous connaissons, au niveau société A, qui a fonctionné d'une certaine manière depuis l'indépendance avec ses groupes, ses clivages, ses lignes de fracture, de tension, et donc qui juste, et que sciences sociales est largement analysé, et donc on rappelle de ça. Et une économie qui est complètement orientée, au fond, on pense depuis l'indépendance, parce que dès lors que nous sortons dans l'économie de plantation, tentative pour qu'ils remettent en place un caporalisme agréable, en sorte de réesclavage, que la population fuit. Bon, l'économie haïtienne est rentrée dans une voie de non-production. Et de non-production, c'est-à-dire que l'élite là rentre la ville, il a fait commerce, et puis seul groupe qui a produit en dedans, c'est paysans, et qui n'a pas de jambes, qui réinvestissent pas dans l'agriculture. Et l'agriculture a été comme ça, elle a disparu. Donc, et nous, ouais, conséquence là, on a une économie qui part dans la logique de production, mais seulement dans la logique, au fond, on n'a pas produit, c'est-à-dire qu'on apprend. Et prend, on sait que la prenne pas quasiment rien pour prendre. Donc, ouais, toute lutte économique qui a une incidence politique, c'est des luttes pour contrôler, au fond, des accès, des ressources que ne pas créer. Et que ce soit pour contrôler le marché public, que ce soit pour contrôler le marché d'importation, et que ce soit pour contrôler le marché financier, etc. Donc, c'est-à-dire que lutte que l'économie par nous a gagné, c'est une lutte pour prendre ressources, pas pour créer, pour produire. Donc, et ça pose un problème parce que vous ne pas créer emploi, vous ne pas créer et valeur ajoutée. Donc, c'est-à-dire que jeune cap vini qui est capable d'entrer sur le marché, qui a frappé porte, mais puisque
nous pas créer valeur ajoutée, nous pas créer richesse, nous pas qu'embaucher. Donc, ou gagne des jeunes et massivement, peut-être avant, depuis les années 1900, ou déjà gagne des grandes vagues migratoires vers Saint-Domingue, vers Cuba et dans les autres pays d'Amérique. Et dans les années 80, ça a intensifié. Mais pays ça n'a pas absorbé et surplus de monde qui en économie pas arrivé faire place pour eux. Et donc dernièrement on a eu des vagues massives qu'a les pays d'Amérique latine, Chili, même Argentine. Et mais en fait c'est 10% de jeunes diplômés qui partent. C'est-à-dire qu'il y a 90% de jeunes chaque année qui sont qui n'ont pas de lieu, qui n'ont pas de marché du travail, là, pas de absorber. Parce que ce marché du travail qui n'est pas structuré pour le produit, il n'est pas structuré pour créer valeur ajoutée, il n'est pas structuré pour créer service. Il est tout simplement il est là pour drainer les ressources. Donc à un moment donné, il faut que la société réfléchisse sur comment pour réorganiser, pour repenser l'économie. Hein, et pour faire rentrer dans notre dynamique de production. Mais ça, ce n'est pas un décret qu'à faire. C'est la société qui a constaté que la société n'a pas fonctionné, l'économie n'a pas produit, elle n'a pas créé valeur ajoutée, elle n'a pas créé richesse. Donc elle a créé pauvreté. C'est-à-dire que chaque monde qui prend un goût, c'est comme si son goût qui sortit, qui doit aller dans le prochain monde, qui n'est pas joué. Donc c'est ce que tu gagnes, je le perds. C'est comme ça, puisque nous n'avons pas créé richesse. Bon, je te dis, c'est une force de choix que nous faisons tout. Bon, en fait, c'est que, comme de tout, depuis son mère, cette pièce, pas dit mon responsable, parce que c'est depuis l'indépendance, dès lors que nous tenons l'économie de plantation et le système a effondré, et où est toute tentative qui était faite depuis Toussaint et jusqu'à Boyer, c'était remettre en place une économie de plantation qui est en forme de l'esclavage. Donc ça n'a pas fonctionné. Nous n'avons jamais réorienté l'économie vers l'industrie et même encourager l'autre type de travail beaucoup plus libérateur, enfin plus libéral. Donc, qui fait que nous venons rentrer dans le circuit, côté que chaque monde qui est en dedans n'est pas forcément responsable, mais c'est une question de survie, et on va essayer de prendre les ressources qu'on est capable de prendre, puisqu'on n'a pas de contexte qui fait que, même si on a un produit, on n'a pas de contexte qui fait qu'on a produit. Bon, là, États-Unis, on va très certainement poser des problèmes et avec des solutions appropriées. L'autre élément, nous ne pouvons pas négliger l'une de pierre, c'est désistement quelques personnalités. Dans le comité pilotage, là, par exemple, des gens qui ne peuvent pas jamais siéger, et selon les données qui nous joignent, des gens qui sont là, qui décident des campés, notamment Monsieur Kebou, qui est président du comité pilotage là, qui incidence a gagné sous travail, comité A et secrétariat technique là, avec personnalité ça, qui est là de parmi les CG, qui était là et puis qui décidait de faire. Oui. Là, il y a deux approches au café. Au café, on approche de basique, primaire, c'est-à-dire que, ah, regardez, bon, et ne que ça, on capable même entendre, et puis il va le faire état général. Bon. Et effectivement, sont réalisés. Et c'est-à-dire c'est des mondes que ils ont fait appel à eux, et parfois qui étaient pour un engagement, et après qui viennent X raisons pour pas continuer. Okay. Ou bien d'autres mondes qui disent qui fait ça tout un objet de chantage, là, par là, c'est bon. Ou bien aller me retourner. Donc c'est une lecture classique. Au début, ils sont capables de rire, ou bien rire nous. Donc ça, son lecture tout à fait acceptable. Et l'autre lecture, c'est que le comité pilotage, là, secrétaire technique, c'est échantillon élite haïtienne. Non. Donc c'est élite qui sortit depuis l'époque coloniale, c'est le créole, et qui, et depuis l'indépendance, pas arrivé à accompagner changement, transformation. Et société. Nous sommes aussi dans société esclavagiste coloniale, nous passons dans société libre, indépendante et souveraine. Donc, nous sommes supposés une élite qui est capable d'accompagner le changement. Et élite, là, terme élite, sont termes politiques, c'est son notion politique, et qui a un rapport qui renvoie à un leadership. C'est-à-dire, en élite, son groupe qui assure un leadership en dans société, en dans, pas dans son, en dans société, en dans secteur. Le secteur sportif, là, élite. Et sportive là, c'est l'élite qui a assuré en dans club là
et transformation économique, société et cap gain des modes de management qui adaptés par rapport à marché, par rapport à marché et enjeux internationaux, etc. Donc et qui a fait l'école et qui a essayé moderniser et management, etc. Donc ça une élite au niveau économique. Cette élite là est là pour constater que il y a des transformations qui a fait en dans économie, en dans marché, dans une économie de plus en plus ouverte, une économie de plus en plus libérale qui n'est pas régentée par l'État, etc. Donc qui n'est pas capable d'appuyer sur l'État pour faire fonctionner. Donc il n'y a pas d'autre choix que renforcer le système de management, renforcer le système de d'investissement au niveau équipement et ressources humaines pour être capable consolider l'entreprise là, pour être capable et compétitif au niveau national, pour qu'il faut qu'à résister sur le marché national là. Il faut qu'à entrer dans le système de concurrence de libre entreprise et capable de renforcer son marché régional là, parce que nous avons une nouvelle réalité depuis quelques années, nous faisons partie d'une communauté caribéenne de marché et nos mondialisations. Donc, l'élite économique là supposée accompagner l'économie et non adapter par rapport à nouveaux changements. Ce que nous pas fait, c'est-à-dire que au niveau sport, au niveau économie, au niveau université, que maintenant et les diplômes se valent et il y a une sorte de d'harmonisation, de standardisation des formations, des enseignements, des méthodes de jugement des universités, etc. Donc, là encore, et ou pas trouvé, et peut-être bon, au niveau audio, enfin, télévision et médias, c'est même bagaille. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une élite qui n'est pas toujours à la hauteur de sa responsabilité. Peut-être que ça va me dire là, il va dire un de neuf, puisque c'est un problème qui était posé depuis avec bien avant, mais. Alors, c'est ça qui expliquait désistement et puis monde qui des bah, mots qui peut-être pas venir siéger, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que ou bon élite au fond et alors que élite responsabilité c'est accompagner groupe que là dedans et pour l'aider à adapter au changement, aux défis, etc. Mais au bon élite au fond qui comporte le temps n'importe qui monde et c'est-à-dire que chaque monde a besoin de parler. Mais non, ça va y avoir une conséquence, c'est j'ai une question à te dire sous travail comité pilotage là, ce que ta technique l'a fait, non? Non, parce que au fond, c'est que ou bien, enfin, ou bien des mondes aussi responsables. C'est-à-dire que on trouve toujours trouver un noyau qui comprend enjeu, qui comprend responsabilité, qui assume elle, et donc vous trouvez elle, enfin, heureusement. Et ensuite, mais fort heureusement, c'est pas, il y a pas cherché un consensus sur la façon de faire fonctionner l'économie, sur la façon de faire fonctionner la société, sur la culture haïtienne, parmi les gens du comité de pilotage, du secrétaire technique. C'est en dans la société qu'on peut chercher et un consensus à la donne. Donc, c'est-à-dire que l'enjeu pour nous-mêmes, c'est pas que le comité de pilotage là, etc., nous réunit, nous mangeons ensemble, nous allons dans le club ensemble, nous allons faire tout actuellement ensemble, ce n'est pas du tout. C'est créer et espace côté que les populations capables de rencontrer. Et c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire que et nous avons rencontré à peu près une vingtaine de secteurs et au niveau central, donc qui n'est pas médiatisé, mais nous faisons éducation, nous avons enseignement fondamental, nous avons et professionnel, nous avons université, nous rencontrons secteur femmes, nous rencontrons secteur religieux. Le secteur religieux, peut-être nous faisons plusieurs aussi. Nous avons rencontré vaudou, nous avons rencontré protestants et puis catholiques. Et nous avons rencontré organisations féministes, handicapés. Et bon, et il y a l'autre, une vingtaine d'autres secteurs, nous avons pour nous rencontrer, et nous avons des rencontres institutionnelles, c'est-à-dire que nous avons pour nous rencontrer secteur administration publique, qui a des problèmes pas, qui n'ont pas même son problème. Nous avons pour rencontrer justice, qui a des problèmes pas, mais qui a un problème dans le fonctionnement sociétal. Donc, et en plus, nous avons des forums au niveau département, mais qui avec une logique beaucoup plus de territoire à côté. Parfait. Que. Nous allons entrer dans un aspect ça, mais il y a un autre élément qui est intéressant pour nous comprendre tout, parce que nous avons posé des questions sur lui. Tu as été un échange, et ça a même fait un peu parler dans le niveau journal Le Nouvelliste, entre secrétariat exécutif, quelques membres, et
et très certainement des membres de la comité pilotage, par rapport avec des trafics d'influence, des gens qui viennent plus contrôler l'état généraux en dans le comité, et qui viennent faire que des gens qui disent, mais si dans le niveau équipe qui a dirigé par la part au consensus, est-ce qu'il y a arrivé à fêter tout un ensemble pour que le résultat que le président a demandé dans le cadre de la cérémonie d'investiture, nous arrivions à livrer? Non, mais ça explique, ceci explique cela. C'est-à-dire que nous n'avons espace de ressources. Mm-hmm. Et comme dit, nous dit, l'économie noire nous pas programmé pour nous produire, nous programmé pour nous prendre. Et nous avons que des ressources, bien évidemment, bien chez Repit. Mais ouais, au niveau politique, ouais, même deux nègres qui mettent ensemble, trois nègres qui mettent ensemble pour faire une entreprise. Et dès lors que commence à même un groupe musical, dès lors que commence à gagner affaire, ouais, n'a fonctionné dès lors que pas gagné. Mais dès lors que mon suspect qu'a gagné, donc, et mais si vous regardez par exemple des sacs de dîmes, on a dit bon, ok, mais pas gagné ressources, c'est n'empêche pas que nous prenons corps pour nous faire des activités. De fait, pas gagné vraiment. C'est-à-dire que, ils ont financé des activités, mais pas financé nous. Mais pour fonctionner. Est-ce que vous avez aujourd'hui accordé entre membre du comité pilotage et secrétaire technique, là, M. Pierre? Écoute, et finalité, ben là, c'est convoquer la population. Population pas venir. Par exemple, là, je fais rencontre, ils pas venir parce que c'est moi-même qui ai convoqué, c'est parce que c'est X, Y, c'est parce que c'est président, etc. C'est pas du tout ça. Et mon yo venir en toute autonomie parce que et chaque monde a des questions que vous posez dans le coin de paille et vous êtes conscient que faut que vous posez problème là et de manière plus large dans le cadre d'un groupe monde qui est concerné. Mais si j'ai un groupe monde convoqué, il faut un groupe monde là ou même déjà entendu sur ce qui s'en va le dire et qui va mener vers là. Mais en général, par exemple, ouais, c'est ça. Peut-être que soit elle n'a tout rien contre bon. Et bon. Oui, soit elle n'a tout rien contre vous. En général, c'est bon. C'est pas jamais gagné voix discordant dans la présentation. Ok. C'est-à-dire que, et gon sort de hiatus. C'est-à-dire que, généralement, il y a deux logiques que nous la donne. En première logique, côté que, nous et conscient les imprégné bah là et puis les pour parler en public sur les n'importe qui est la parle normalement. Ensuite gain en question de comportement qui pas lié à finalité bah là qui lié à l'autre considération qui pas bon l'autre comportement complètement contradictoire. Et on pense que c'est dans des incohérences de me dire un bagage capable un discours sur lui et puis mon l'autre comportement qui est influencé par l'autre type de considération. Mmh. Et peut-être que ça, c'est des bagages que dans la vie quotidienne, que ouais, c'est-à-dire que mon pense en bagaille, lui, on discours tout à fait cohérent, et la charme avec discours. Et puis ensuite, l'épaule agit, il y a l'autre considération qui n'est pas gagnée pour avec discours que le gagnant, etc. Donc, dans un rencontre normal, c'est-à-dire que grand discours sur les états généraux, grand préparation qui est faite pour rencontrer le secteur éducation, etc. En fait, après, bon, mais cela dit, et les minoritaires quand même. Mm-hmm. Qui dernière fois le comité pilotage a rencontré à ce secrétaire technique là? Et moi, on présente tous les lundis. Mm-hmm. Et non pas rencontré. Tout pas mieux là? Bon, et il y a une question de on va parler de tout le monde. Alors, il y a des membres qui étaient dans le secrétaire technique. Et ce que le comité de pilotage qui était déjà dit, bon, il n'est pas là, donc c'est normal. Après, c'est une question d'emploi du temps. Mm-hmm. C'est pas en question de. Et moi-même, ça qui est intéressant, qui est important, c'est que est-ce que les gens ont une responsabilité, par exemple, doivent faire rencontre avec le secteur d'éducation. De toute façon, nous-mêmes, nous n'avons pas quitté quand même le mail. Donc, est-ce que nous avons préparé de cela? Est-ce qu'elle fait suivi? C'est ça qui est plus important pour moi. C'est pas un lieu de camaraderie. Parce que alors, faut me dire que nous univers côté que relations en général c'est des relations fusionnelles. En famille, une relation fusionnelle entre amis, c'est fusionnel. Même entre deux petits groupes, c'est des relations fusionnelles. Dès lors que on a une relation un peu impersonnelle, distanciée, plus institutionnelle, c'est comme si sont tension et puis c'est génératrice de tension parce que et Mounio pas accepté que est capable une relation qui est faite sous un objectif
Et en dehors d'objectif là, il n'y a aucun autre lien qui lie nous. Et c'est tout, moi-même, je pense que c'est tout à fait, pour moi-même, c'est tout à fait normal. Mm-hmm. Et, mais Haïtien n'a pas qu'à comprendre. Haïtien comprend que si on fait business avec elle, il faut qu'on vienne à Kaila chaque jour, il faut que nous fassions une fête ensemble, il faut que nous allions à la plage ensemble. C'est pas du tout, ça ne se passe pas comme ça. Parfait, parfait. Maintenant, pour nous fonctionner, nous avons un budget. Et gagner des activités. En fait, c'est que nous-mêmes, c'est des activités. Alors, bien évidemment, parce que c'est une temps, nous passons très bien à occuper de parler de fonctionnement. Alors, c'est un jeu. On va entrer dans. Oui, non, parce qu'un jeu, c'est quand même un pacte pour la population fait. Maintenant, le budget, c'est est-ce que activité au fait. OK. Donc, est-ce que activité au fait. Donc, pour faire activité, maintenant, pour rencontrer un secteur, ça va vendre un pile cob, tout simplement, ou inviter Mounio ou Vini, nous avons un local. Et qui là, nous avons une salle de réunion qui apprend, ça dépend des aménagements, nous apprend jusqu'à 60 moun. Donc ce secteur, et nous rencontrons le secteur, ce n'est pas rencontrer tout le monde, nous rencontrer leaders dans le secteur, et notamment représentants ou présidents ou coordonnateurs, groupes organisés. Mm-hmm. Donc nous-mêmes, en tant que ça, nous faisons faire et nous avons des échanges d'informations, et nous connaissons que nous avons trois grands secteurs que nous couvrons, qui correspondent à la loi de financement, donc un secteur politique, secteur économique, secteur socioculturel. Et il y a un cahier des charges que vous avez pour élaborer, c'est sur base ça nous allons faire pacte là. Donc, cahier des charges là, nous structurons comme ça, après, mis à part trois secteurs. Mm-hmm. Et dans chaque secteur, nous demandons pour articuler réflexion autour de trois axes. Premier axe là, c'est axe problème, c'est-à-dire qu'il faut que vous identifiez le problème dans le secteur. Deuxième axe là, c'est axe proposition ou recommandation. Et troisième axe là, que vous devez réfléchir, faire des propositions là-dedans, c'est engagement. Et engagement. Alors, chaque fois que vous rencontrez, maintenant, il y a un fonds qui est disponible pour nous rencontrer le secteur. Non, alors, pour rencontrer le secteur là, ici, c'est juste pour le traiteur, bah, le manger. Ok. Mm-hmm. Maintenant, c'est sûr que nous sommes ici. C'est bon, maintenant, pour aller dans la province, aller dans la province, et au fond, et, ça coûte moins cher que prévu. Parfait. Parce que, mais comment faire? Déjà, nous allons chercher au niveau logistique et nous allons chercher une salle qui est moins chère. Le plus souvent, nous venons par exemple, Nord-Ouest, nous venons une salle paroissiale qui coûte nous 25 000 gouttes avec tout équipé. Et dans Nord-Est, nous ne faisons pas le béton, nous faisons le Wadamet, et nous avons délocalisé, nous ne faisons pas forcément faire dans le chef-lieu, et 25 000 gouttes avec tout équipé. Enfin. Et nous faisons Villa Canada, c'est le même prix. Enfin. Donc, ce n'est pas parce que c'est ça qui est coûteux. Et ensuite, une réalité que nous ne connaissons pas, c'est-à-dire que et Mounio l'a fait venir parfois, et il faut souffrir venir un jour à l'avance, il faut héberger. Parfois, nous avons cherché à trouver des moyens, et parfois, dans quelques zones, nous avons trouvé des religieux ou autres qui ont des espèces de dortoirs. Okay. Et là, hier, nous avons rencontré, nous cherché le point de faire pour l'Ouest, et nous avons dit que nous avons une capacité pour prendre 700 personnes dans le ranch-là. Donc, c'est-à-dire que nous avons cherché des moyens pour nous faire. Maintenant, pour mobiliser Mounio, c'est en général toute en mobilisation de ressources. Généralement, Moun nous contacte yo, et là nous parlons dans le département, nous rencontrer, nous chercher des Moun qui ont une autorité dans la zone. Mais ce n'est pas des Moun clivés, ce n'est pas des Moun politiques. Et dans tout département, on voit des personnages comme ça, qui est au-dessus de tout soupçon, qui est au-dessus de la mêlée. Mm-hmm. Donc c'est Mounsao qui aide nous et à chercher dans toute section communale et toute commune. Combien de rencontres on déjà fait déjà? Nous faisons trois grands forums. Et nous avons une équipe là, qui fait sortir Floride, nous avons fait une rencontre Floride parce que la diaspora est impliquée. Et qu'on est là, l'heure que Mounsao c'est venu de vol. Ensuite, le rencontre là. L'invitation fait permettre qu'on allait Mounio Vini et nous faire regrouper au par commune. Donc, on a toute section communale qui est même côté. Et il y a fait une heure de temps de parler. Ensuite, atelier. Mm-hmm. Mais c'est vraiment une esquisse parce que le travail est pour le faire. C'est une sorte de répétition pour être capable de même comprendre des marches là. Il discute de ce qui ça, généralement.
politique, économique, socioculturelle, problème, proposition, engagement. Okay. Et ensuite, ils ont même désigné un porte-parole qui peut porter parole dans l'Assemblée plénière là, côté que et toute communion et bail résultat et discussion qui ont été gagnés. Et une fois, et Mounsao, le que bah, la fini, nous tout demandé et Mounio, est-ce qu'il a accepté Mounsao, nous tout, Kembeo, pour faire partie de structures intercommunales qui pourraient gagner pour coordonner le processus d'élaboration qui a des charges au niveau commune. Qu'on a accepté. Il a accepté. Donc, Mounsao encore c'est bénévole, il pourrait le travail, peut-être que nous avons un petit moyen pour nous. Bayo. Et maintenant, nous avons fait le même forum que nous faisons au niveau départemental là, nous avons pour nous faire le nouveau au niveau communal. Mais cette fois, ce n'est pas nous qui avons fait, c'est le comité départemental là, qui était choisi à partir de monde qui était impliqué dans la mobilisation globale là. Donc, suite à l'Assemblée plénière là, qu'on a ces Mounsao qui pourraient dupliquer et même processus là au niveau communal. Peut-être communal nous capable de faire, nous capable regrouper, ça dépend de taille au niveau par arrondissement. Et par exemple, là, nous avons planification pour Nord, qui a planifié toute forme au niveau. Bon. Et à des coûts moindres, parce qu'au fond, c'est bénévole. Parfait. Mais là, maintenant, là, nous faisons une discussion sérieuse. Et qui ça nous fait après? Et qui, est-ce que mon document qui est déjà élaboré, qui vous dit, voilà, les grandes lignes présentées par chaque section, par chaque commune, dans quatre forums départementales que nous avons déjà fait, Bruno Pierre? Ok. Nous avons deux travaux nous fait. Un, nous recueillons les documents que ont été fait présentation et nous prenons un jeune pour faire discussion minute discussion et commune par commune, c'est-à-dire que nous avons deux documents et que nous avons récolté déjà qui va faire une sorte de cahier des charges pour le département et mais n'attendre que août septembre pour nous recevoir cahier des charges que suite à la discussion qu'on a faite au niveau section communale, etc. Donc, c'est ça. Donc là, nous parlons écrit secteur que nous avons rencontré par oppression. Nous parlons vous et thème de référence bio. Puis, vous avez déjà demandé ça et pour capable et préparer le cahier des charges suite à la discussion que vous parlez au niveau des groupes organisés. On a déjà fait trois forums départementaux. On a parlé très certainement avancé sur l'autre département. Et après forum, ça, qui s'appelle le travail et le secrétariat technique là. Donc après forum, ça c'est forum préparatoire. Et c'est-à-dire que c'est forum qui permet de nous collecter données. Et c'est-à-dire qui est sous forme de cahier, alors cahier des charges pour aller rapide, mais en fait c'est cahier de revendications, propositions et engagements. Et qu'on a pas fait synthèse tout cahier ça, et après au niveau politique, au niveau économique, qui problème qui vient et qui récurrent, qui proposition qui récurrent pour chaque problème, et puis qui type d'engagement que le citoyen prend. Et ensuite on a fait synthèse, et puis nous allons mettre éléments ça en discussion pour validation en atelier. C'est-à-dire que au niveau politique, ok, mais 1, 2, 3, 4 problèmes qui identifient. Par exemple, et m'apprend y a un problème au niveau politique. Bon, et régime non, c'est tout le monde identifie comme problème. Parce qu'on a un problème de mi-parlementaire, mi-présidentiel que Mounio trouvait comme problème, puisque ça rentre dans un cycle de deal et qui fait le lit de la corruption. Et qui parfois tout crée instabilité. Avec instabilité, oui. Dans le contexte d'économie de prédation. Faut quand même mettre le constat. D'ailleurs, Mounio la comprend. Bon. Et donc. Il y a une proposition qui dit bon, faut qu'on ait un régime présidentiel et quand un président est élu et tout le monde connaît ce bon président qui est élu avec un vice-président et que le pagain pour la marchander quoi que ce soit. Donc faut que si c'est non cohérent, les fins élus, faut qu'il soit capable de choisir collaborateur pour être capable de diriger. Bon. Donc on joint ça. On joint des propositions d'autres qui disent qu'on s'abonne en question et cartel magistrat avec trois membres. Il faut que nous supprimions ça parce que chaque côté d'un cartel, c'est chez Répit. Donc il faut venir avec un magistrat. Bon, après, il y a des problèmes tout identifiés côté que parlementaires, il y a un rôle trop actif au niveau département en termes de canalisation des ressources, surtout notamment au niveau emploi. Donc, de l'éducation jusqu'à la justice en passant par les affaires sociales, etc., tous les emplois qui sont quasiment contrôlés par
par des parlementaires au niveau département. Donc, alors, ça me dit là, bon, accusation me fait, non? On dit ça qui saute. Et que nous capables de voir, non, parce que il y a d'autres télévisions qui enregistrent tout le bagaille qui passe sur YouTube. Donc, nous capables de suivre tout déroulement en discussion. Donc, je ne vais pas inventer. Donc, nous avons juste relaté ça qui est récurrent. Et par exemple, au niveau santé, ça qui est drôle. Et principale revendication pas amendée pour construire dispensaire. Yo, revendication en Chita pour question qualité et service santé en dans commune, en dans communion, dans section communale. C'est ça, on m'a demandé plus. On m'a demandé quantité, on m'a demandé qualité. Et donc, c'est son message qui vient. C'est-à-dire qu'un gouvernement n'a pas besoin de le faire, et créer plus de dispensaires, créer, faire projet pour faire local, construction. Il n'a pas besoin de ça. Il a plus besoin d'améliorer la qualité. Donc maintenant, mais si on a demandé tout, dans l'aspect ça, vous avez des hôpitaux de référence, par exemple. Ça fait partie de qualité. Il va demander de construire plus l'hôpital. Il va demander de même agrandir. Il m'a demandé d'améliorer la qualité. Parfait. Donc, après, il y a une autre question dans le monde agricole. Là, il y a une question récurrente de banque agricole, d'assurance agricole. Donc, ce sont des propositions qui sont récurrentes. Donc, propositions, ça, nous allons sélectionner à partir des récurrences dans tout document. Et puis, qu'on est là, dans l'atelier, qui a fait un jour sur politique, un jour sur économique, un jour sur politique, socio-culturel, pour ne pas traîner en longueur et que on dit que bon, mais quelle proposition qui est sur la table? Est-ce que nous sommes d'accord? Qui s'en pense? Il dit ok, nous avons reformulé, car on travaille de formulation de ça, à tout le faire, et ensuite il a validé. Donc, une fois que nous avons gagné, c'est-à-dire qu'à la suite d'atelier, nous sommes en mois novembre, décembre, début décembre, nous supposons gagner un certain nombre d'éléments d'entente et d'accord sur chaque grand problème. Et c'est sous base éléments d'accord et d'entente ça que nous pourrons tirer un pacte de gouvernabilité. Mais en fait, ils vont instituer ce pacte pour la réforme institutionnelle et le progrès économique et social. Maintenant, des acteurs politiques, des acteurs qui viennent de l'autre secteur, qui l'ont pas rencontré, ils ont fait un concert après forum départemental là, et c'est ça qui sort sur nous va discuter avec eux, ou bien l'autre approche pour nous rencontrer mon ça. Bon, et acteurs politiques, nous te supposons rencontrer par exemple le 10 mois ça. Et avec l'événement qui vient de passer là, qui fait que et nous avons une programmation très serrée, donc nous pourrons chercher l'autre date pour rencontrer eux. Parce que là, nous allons rencontrer le secteur politique, yo, et c'est le même schéma, c'est-à-dire que eux-mêmes, ils ont pour prononcer sur l'aspect politique, gouvernance politique, gouvernance et sociale, gouvernance socio-culturelle. Donc, il y a bien pour eux les problèmes, les propositions, etc. Donc, il y a des problèmes. Le système panouan, il fonctionne avec des partis politiques. Et ces partis politiques qui cœur, qui est organe central du système politique. Et nous avons plus de partis politiques, est-ce que c'est toute formation politique que nous avons rencontrée dans ça? Bon, mon premier base de données qui parti qui n'en qui fait pas qui n'en parle qui est présent dans le parlement. Ok. Et ça c'est première base critère là. Deuxième non, c'est que au cas gain des partis qui pas dans le parlement mais qui gagnent un passé qui gagnent toute une notoriété dans la société là. Donc il y a invité autour. Et aussi bien que parfois des personnalités qui pas forcément là et comme membre d'un parti politique, mais comme une personnalité politique qui est reconnue et qui gagne un mot qui est capable de dire en dans débat sur le secteur politique là. Vous dites 10 juillet puisque le parti est fait. Oui. Quelle date qui prévoit déjà pour rencontrer eux? Et pas grand-chose parce que nous devons rencontrer secteur santé et protestants. Et politique dans la semaine qui se passait là. Mm-hmm. Donc, on est protestant, on a fait le 24 et 24 juillet. Pour santé, on a programmé pour 3 août. Et politique,
Je ne sais pas qu'il est programmé. Parfait. Maintenant, il y a un élément qui est fondamental, M. Pierre, c'est le secteur généralement, plusieurs organisations qui ont pu le faire représenter pour le secteur de l'éducation. Il y a plusieurs organisations syndicales, plusieurs organisations professeurs privés, des écoles de l'école privée, professeurs publics. Qui vient nous faire au niveau comité, le secrétaire technique, pour que nous assurions, nous ne pas quitter personne monde dehors, tout le monde qui est dans le secteur, qui a fondé dans le secteur que nous prenons avec lui, et tout une invitation pour ne pas qu'une bouche l'ouvre après. Okay. Alors nous avons plusieurs variantes. Premièrement, c'est que nous faisons les gens qui sont dans le comité, qui soutiennent dans le secteur, nous faisons confiance, c'est-à-dire que pour nous, on liste qui est aussi large. Mais ça qui arrive que il y a des groupes qui parlent là. Mais pour des questions sociologiques, parce que au fond, ça me remarque, c'est que société noire, c'est une juxtaposition de réseau. C'est-à-dire, même si je suis là, je suis dans le réseau, que je veux, que je ne veux pas. L'aime invitation, je me lance. En fait, c'est les gens qui sont dans le réseau. Non, parfois, il y a des gens qui sont venus parce qu'ils connaissent moi-même qui fait. Et il y a des gens qui ne sont pas venus tout parce qu'ils connaissent moi-même. C'est là. Donc, mais ça va gagner parce que nous avons une société clivée. Et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Bon. Et nous avons regretté. Mais on a la poule que nous sommes capables de sûr que nous prenons plusieurs réseaux. C'est-à-dire, dans l'organisation, c'est pas vraiment structure de regroupement, c'est pas un réseau que le fait. Nous faisons plusieurs mondes, faire invitation, ou bien on a plusieurs listes. Et donc, ça, c'est une première précaution que nous prenons. Deuxième précaution, nous sommes capables de faire une rencontre. Il y a des groupes qui étaient supposés là, qui n'étaient pas là, qu'on a qui ont même sollicité pour nous faire. Et je pense que c'était le cas, par exemple, pour les organisations féministes que nous avons rencontrées. Donc, il y a un secteur qui partait là. Donc, on a là, il faut que nous fassions l'autre rencontre pour nous capables d'intégrer, impliquer. Donc, en fait, c'est ça. Mais, de toute façon, une fois que Pâques la fin de fête, Pâques en dernière phase, côté que Pâques la est disponible dans tout lieu public. Et m'a souhaité que les médias aient des discussions faites, parce que l'État général, ce n'est pas seulement des lieux de rencontre qui, côté que le secrétariat technique n'a pas organisé des réunions, mais c'est les médias capables de traiter des sujets qui sont en accord avec la transformation que nous voulons faire. Et c'est des colloques qui doivent être faits, donc c'est toute une mobilisation nationale. Et ça, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de espace, c'est tous les lieux, tous les espaces et, en tout temps. Maintenant, arrêtez à te prendre 6 mois pour nous faire travailler. Nous, je dis, à un rythme que nous avons pris, est-ce que nous sommes pour respecter le délai? Okay. En fait, nous n'avons qu'à respecter le délai. Parce que, on part, bon. Il y a des conceptions qui voulaient que, bon, et de toute façon, Pâques là sont documents techniques, scientifiques, etc., techniques, et qu'ils sont capables de prendre des trois experts qui ont un pacte. OK. Et en fait, nous ne pouvons pas suivre ça. Et nous pensons que Pâques là, c'est citoyens qui doivent eux-mêmes identifier des problèmes, faire des propositions et engager eux pour être capables d'avoir un comportement approprié. Et dans le cadre de résolution du problème, ou bien dans le cadre de mise en œuvre, objectif que nous pouvons fixer. Donc, c'est pour cela que nous tenons que les discussions sont faites et prennent le temps qu'il faut. En étant très serré dans le calendrier, ça nous amène, sans que nous ne gagnions pas une semaine perdue, et sans que nous ne prévoyions. Et cyclone que nous avons gagné. Des fonds bail idéal. Il était déjà mené nous et en tête très très serré. Et au 22 décembre, que nous étions supposés remettre un document de diagnostic par secteur, c'est-à-dire que nous prenons tout problème qui identifie, mélangé avec tout document et données qui n'ont grand rapport qui existe dans le secteur, plus on pacte. Le 22 décembre. Nous avons pu mettre le comité de pilotage là, parce que, comme dit, le comité de pilotage là, c'est une sorte de conseil d'administration qui est lié et qui est là pour recevoir et faire remonter l'information au niveau de la présidence. Valider tout. Il va valider Pâques là.
Il va valider, non? Non, il va là pour le cas faire des corrections. Mm-hmm. Et il va me pour valider parce que faut validation pour être faite par la suite. Et donc les mêmes cas fait lui encore en dans processus de d'élaboration. C'est-à-dire que les mêmes cas encore intervenu pour préciser, pour refaire même quelques consultations, etc. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, ils remettent les bails présidents de la République et, le 1er janvier 2019. Bon, et gagnons en correspondance qui, avec un rapport qui est déjà transmis par les présidents pour montrer les programmations de certaines fêtes. Et là que le comité de pilotage a été validé, enfin bon, approuvé, et que en correspondance c'était à la jeune présidentielle pour montrer que, justifier que dépassement de temps. Parce que l'enjeu, c'est pas que nous pouvons trouver plus de bail, plus de données, plus de, d'éléments, nous pouvons découvrir des bagailles, c'est plus que ces citoyens qui doivent eux-mêmes mobiliser pour capable énoncer problème yo, énoncer solution et énoncer engagement yo. Donc, on connaît tous un pays qui est très difficile. Mettez mon chita ensemble, c'est pas en bas, ils ont assez compliqué. En pile fois, alors arriver faire, viennent tout secteur, tout le monde d'accord chita. Il dit ça au pensé. Et là, pour même nous capables de présenter rapport arriver à pack là, c'est quand même ça m'a donné bon titan. Oui, mais complication ça, les fait au niveau intellectuel haïtien. Complication ça, les pas au niveau peuple là, non. Oh. Et non, c'est en fait c'est intellectuel haïtien qui a un problème. C'est-à-dire que chaque nèg gon l'idée dans tête li, li gon format et puis li rentre en dedans. Qu'on a pour discuter avec elle, pour aller d'elle pas attendre. Il va attendre. Et li gen schéma dans tête li. Pas figé. Oui, il est figé. Et j'ai l'impression que c'est une question existentielle pour lui. Ah, mais voilà, c'est plus compliqué pour être à vos comités. Hein? Mais ça fait peut-être, ça fait par exemple une discussion qui est plus difficile dans le comité pilotage, parce que ça va être ou intellectuel ou prétendant intellectuel, etc. Bon. Qui fait que le compte plus difficile entre intellectuels haïtiens pour entendre mieux, parce que chaque monde a un schéma. En plus, donc, le problème, c'est que parfois, nous n'avons pas une formation uniforme. Ou bien des gens qui sont formés aux États-Unis, aux États-Unis, ou bien des gens qui sont formés au Canada, massivement, ou bien des gens qui sont formés en Europe et essentiellement en France. Donc, et chaque côté ça, ils ont formé des images, des modèles de compréhension de la réalité. Et nous-mêmes, nous n'avons jamais forgé un modèle de compréhension des faits. Nous n'avons pas un modèle de compréhension de la politique, nous n'avons pas un modèle de compréhension de la société, de son fonctionnement. Nous n'avons pas un modèle de compréhension de l'économie. Nous sommes capables de dire que nous forger à partir de l'expérience, pardon, mm-hmm. et à partir d'expérience, l'autre expérience que nous vivons, synthétiser et nous vivons comme si en forme, nous ne pouvons pas faire. Le Sénégal étudie aux États-Unis, il parle aux États-Unis, il parle de politique états-unienne. Si l'étude du Canada, n'importe qui analyse, la fait la parole de l'éducation Canada, la parole de système politique canadien. Si l'étude en Europe, la parole de l'économie européenne, et notamment française, système politique français, etc. Mais le système pas noir, il n'est pas well, il n'est pas compris, il n'est pas cherché à comprendre. L'elle comprend, il a comparé avec des modèles que dans tête lui, il pas comprendre le modèle que là dedans pour arriver à comprendre. Pour qui ça nous un système qui fonctionne pendant 200 ans? S'il fonctionne pendant 200 ans, il y a une logique de fonctionnement. Bien évidemment, et logique de fonctionnement, et au niveau société, il y a une logique de clivage. Bon, mais ça a duré deux siècles. Il y a mon en haut, mon en bas, mon lat noir, qu'on a des Syriens, nous avons des Arabes, enfin nous avons des Syriens, nous avons des Libanais, nous avons des Juifs, et Arabes. Donc, c'est des petites sociétés. Bon. Et peut-être que c'était pour des gens masculins qui sont dans la campagne, pour une petite minorité urbaine. Bon, ça a deux siècles qui fonctionnaient. Bon, il y a une logique que la fonctionnalité fonctionnait, il y a un modèle de régulation. Qu'on a le problème, c'est que où est que le modèle s'est effondré parce que où est qu'il y a des crises, il y a des tensions, il y a des violences. Donc, c'est ça qui est un problème. C'est parce que il y a c'est parce que donc, qui fait que qu'on a faut arriver comprendre, capable accompagner la transformation, qui fait que crise à plat.
Donc, rôle intellectuel, c'est pour essayer de voir sa capacité, essayer de comprendre, déjà comprendre une bonne logique, les bon, enfin, de bonnes raisons qui font exister, et trouver de bonnes raisons pour qu'elle change. Et système économique noir tout l'Égypte, nous avons une économie qui était sur une époque depuis que coloniale, une économie de pillage et de prédation, bon, de rapine, ok, ben, ça a fonctionné pendant cinq siècles. Et nous avons une économie haïtien qui écrit un livre sur la fin d'un régime ou d'un modèle. Et effectivement, et nous modèle ça, l'arriver à bout de souffle. Qu'on a, faut que nous produisions, faut qu'Haïtien travaille plus, faut que nous avons l'autre rapport au travail, faut que nous avons l'autre rapport à l'industrie. Et c'est tout ça au dessous de table là, pendant l'État-Unis au secteur là. Ben, c'est ça, l'État-Unis, c'est son processus d'accompagnement dont société cap changer. Et faire en sorte que chaque Haïtien est un acteur de propre transformation et de propre adaptation. Justement, mais si on n'a pas approprié de lui, c'est ce que le travail n'a pas approprié accompli. Non, je dis que tout problème société, c'est élite là. Ce n'est pas le peuple là, non. Le peuple haïtien toujours ont aspiration à la liberté, à l'égalité et au bien-être. Basiquement, c'est tout le peuple. Et à chaque fois, les soulever pour, par rapport à aspiration, liberté, égalité et bien-être. Nous faisons pour l'esclavage. Et à chaque moment de l'histoire, regardez tout soulèvement, soubassement, où est-ce parfois toujours un régime crasé, et puis le peuple a soulevé. Mais ou pas jamais une élite qui est capable de comprendre l'aspiration et créer des institutions, que ce soit l'école, et l'hôpital, et la famille, et l'administration, et l'entreprise, qui est capable d'institutionnaliser d'autres manières de faire, qui est capable d'assurer liberté, égalité et bien-être. Ou une élite au fond qui rentrait, quand chaque équipe en élite au fond, parce que l'élite là, elle est là pour son sorte de groupe et qui assume un leadership dans le cadre d'une transformation de société ou dans un secteur. Mais donc, c'est une vocation, comme pour répéter Jean-Prince Mars. Et cette vocation-là, c'est comme si on renoncement à cette vocation, côté que, et Negla l'a objecté de pâle, si le chef d'entreprise, première préoccupation, c'est faire l'argent pour acheter des trois vieilles cailles, des trois vieilles machines, et puis il a bien fonctionné. Il se gère, il gère sa famille. Mais de toute manière, nous pas quand même tout négliger l'élite et on y est là, et on y est de toute manière, parce que après, à profit de sortie, pas que sortie, si bien pour vous, et puis en pile là dessus pour calvo et pied. Maintenant, l'idée c'était mettre tout le monde ensemble, mettre tout le monde d'accord pour nous voir qui j'en nous capable et garder logique fonctionnement de rien, je t'en souligne là, et puis changer ça doit changer pour que nous avons l'autre qualité Haïti. Oui, non, en fait, c'est que bon, moi trouvé que et ça que monde populaire et monde paysan pas de gain, il commence à gagner. Le monde populaire et le monde paysan, ils ont vraiment commencé, si vous regardez tout depuis 1804 jusqu'aux années 70, 80, et vous regardez, l'école était réservée seulement à l'élite urbaine. Vous regardez comme si les résultats, vous regardez dans le baccalauréat, un millier de monde qui a dans le baccalauréat jusqu'à les années 70. Et classe populaire là, et paysans ont commencé à investir dans l'éducation à partir des années 80. Et une première génération des années 2000, et si vous regardez la masse des avocats, des agronomes, des ingénieurs, des médecins, et les hauts fonctionnaires, etc., sont d'origine rurale et paysanne. Et génération ça, elle était coupée du monde paysan parce que stratégie longtemps, c'est que vous êtes vous à l'école et puis les poils lumière famille, non? Mais à l'arrivée, il est complètement coupé de propre racine familiale parce que là, la ville, il va retourner. Et si le médecin, c'est l'agronome, de temps en temps, ils font passer pour faire le bagage, ils vont retourner côté de sortir. Bon. Et si le politicien, il retourne à chercher un vote, il vient prendre un vote là, et puis parce que faut que, pour le député, il faut qu'il aille chercher un vote côté de sortir, il vient prendre, il retourne, il n'est pas allé. Donc, qui fait que, ils ont investi pour former et pour petites paroles qui pour aider, éclairer. En fait,
ça que nous-mêmes nous fait, nous entraîne dans le système de prédation et nous venons tourner et un sens pour eux. Et juge, c'est la majorité des juges, c'est des gens de classe populaire. Mais qui est ce monde qui est insensible à tout le monde qui est en prison? Le monde qui vient chercher un bon bail, un greffe, qui est tout pisil, etc. C'est un fonctionnaire. C'est nous-mêmes qui fait. Et ça que je constate par rapport au changement que moi, c'est malgré le forum qu'ils nous font. Lors de nous réunir en commune, en section communale, au fond, tout le monde de section communale, au fond, c'est des jeunes qui la vivent la même javor, mais qui toujours étaient branchés avec section communale. C'est-à-dire pas tant de grandes vacances qui pour y aller. C'est des monde chaque week-end et je ne sais pas, peut-être qu'il y a un progrès. Au contact avec la section. Avec section. Et je pense que plus que une nouvelle élite et de classe moyenne et cap émergé, peut-être qu'on a pour un résultat dans peut-être dans 15-20 ans. Et côté que élite ça pour être plus sensible, alors plus pour de classe moyenne, pour être plus sensible à réalité classe populaire là et classe paysanne. Je pense que nous avons la société dans 15-20 ans, ça c'est sûr. Mais d'ici 1er janvier, vous croyez que nous avons un peu près pour PAC là, pour le document final là, 1er janvier 2019? Bon, l'objectif c'est ça. L'objectif c'est ça. Et nous pourrons faire en sorte que. Et comme système d'organisation que nous avons fait là, parce que Gomba qui fait de manière. En fait, parce que l'expérimental, parce que nous avons que une appropriation qui fait au niveau département. Par exemple, nous avons une quinzaine de rencontres qui ont fait. Non, c'est pas nous qui avons fait, c'est moi qui ai fait la programmation hier. C'est pas nous qui avons fait, c'est eux-mêmes qui ont fait. Et moi, c'est que dans tout le département, nous avons fait comme ça. Donc, qui fait que nous avons un débat qui a fait simultanément et qui fait que le jouable et qui fait que le jouable. Donc maintenant on t'a parlé de pertinence bagarre là, c'est que ça fait minimiser. Bon, ta souhaité que chaque monde assume pour une fois le rôle de leader que il doit gagner dans la société. Ta souhaité que chaque monde prenne conscience de ça et c'est que bon appropriation de démarche là, parce que nous comprenons que c'est pas. Et parce que l'idée, chef de l'État, parce que son intuition est là, et c'est que c'est Mounio même qui doit prendre conscience de problèmes, qui lui-même fait solution, et ensuite prend engagement. Et parce que, peut-être que ton dernier barrement, c'est nous fini. Allez, nous allons finir. Parce que, au fond, nous avons fait tout document, nous avons fait toute proposition, mais au fond, c'est le travail. Et ce travail quotidien, c'est la rigueur quotidienne dans l'exécution de tâches. Et moun ki pou fèl, c'est l'infirmière, c'est l'aide-soignante, c'est le médecin, à travers conscience professionnelle, à travers engagement lié envers ma patient, envers l'hôpital là, et qui fait que la qualité de service a amélioré. Et entreprise, c'est même gens. C'est conscience maître d'entreprise. Pour qu'on ait que leur bonne entreprise, ce n'est pas pour vous. C'est société à utiliser talent qu'on gagne et l'idée qu'on gagne pour créer une structure pour répondre à un besoin. On demande que la société a gagné. Prochain grand rendez-vous états généraux, c'est qui ça oui rapidement. Donc, alors nous avons deux bails qui décalent. Le 21, nous sommes supposés, par rapport à ça, nous avons deux bails qui datent qui décalent. Le 21, nous sommes supposés Jacques Mel. Et le 28, nous sommes supposés Nanip. Et nous avons deux dates qui. Non, nous avons peut-être une date qui a décalé. Niplan, le 21, c'était samedi, enfin, semaine ça, nous avons pas fait. Donc peut-être que Napkembe le 28 pour Sud-Est. Et puis moi, c'est le reste programmation et la fête, ouais, la fête. Les perspectives annoncées intéressantes pour les gens qui sont très, très sceptiques par rapport avec l'État général. Est-ce que ça a privé vite? Est-ce que nous avons réussi à louer? Ou même qui est dans la cuisine? Et vous estimez que nous sommes en route là? Perspectives intéressantes, non? En fait, peut pas essayer toujours aller jusqu'au bout. Il n'y a pas quand je veux l'accompagnement pour le service après-vente. Parce que l'IFA 1804, c'est pas l'idée de la FEL, c'est Marion qui fait 1804. Les troupes expéditionnaires ont été venues, c'est l'élite là qui a joué les troupes expéditionnaires. C'est là que commence à déporter des trois dans qu'on est là, ils ont déserté l'armée coloniale, ils ont joué Marion, ils ont pris un bagage là, ils ont pris un pour eux.
Ils ont fait 1843, révolution 1843. Bon, ils ont chassé les Américains. Ils ont fait 1846, même 1946, ils ont fait 86. Fait, on fait l'autre encore événement. Et je pense que Mounio, et, par rapport à l'aspiration à la liberté, l'égalité, le bien-être, il est toujours là. Et Mounio, depuis, par rapport à ça, Mounio mobilisé. Et qu'on y a, et doute que, qui gagne, et peut-être que toujours gagne, toujours poser cette question, est-ce que nous-mêmes, nous prêtes pour accompagner le peuple et la population dans le changement ça. Parce que finalement, le système de prédation que nous avons là, bon, il y a des gens qui arrivent à faire beurre là-dedans. Les gars avantages du tout. Donc, l'élite là, en général, est associée à ça. Donc, et est-ce que le chef de l'État, est-ce que le directeur cabinet et l'autre monde qui est en dedans, est-ce qu'ils ont quoi là-dedans? Même pense que par rapport à l'engagement que le chef de l'État a, par rapport à l'autre monde en dedans, entourage qui est impliqué, donc c'est. Et je pense que nous sommes optimistes et en dedans le comité pilotage là, et en dedans le comité secrétaire général, une élite progressiste là-dedans. Vraiment progressiste là-dedans et qui croit dans un leadership d'accompagnement. Okay. C'est pas un leadership de manipulation ou de direction, c'est un d'accompagnement. Parce que et c'est nous là nous accompagnement parce que tout ingrédient réuni pour que nous avons un pacte qui sorti vraiment de discussion dans tout groupe et que le 1er janvier 2019 un pacte pour la réforme institutionnelle et le progrès économique et social qui remettent le président en bonne et due forme. De toute manière, pendant qu'on a avancé, la télévision nationale a fait le devoir pour aider nous comprendre et ensemble des marchés, ensemble des étapes qu'a franchi jusqu'à ce que nous arrivions à Pâques-là. Lino Pierre, ce qui était exécutif, commission qui était technique, étagère au secteur LO, c'est lui qui est avec nous matin. Merci infiniment parce qu'on te met disponible pour TNH. Bon, après, merci parce que toujours un engagement non, pour éclairer la société à travers l'espace public que nous créons dans la société. Hein. Et intérêt pour l'État généraux. Et je pense que TNH a un rôle important et même clé à jouer dans la discussion large dans la société. Merci. Voilà, notre invité ce matin, Louis Lepierre, secrétaire exécutif et secrétaire technique État généraux sectoriel national. C'est avec Lynn Debrasse l'idée de la mise au point. Soutenez avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. C'est fini.